Éric de Falloir, ce vendredi, 19e étape du Tour de France en direction de Bergerac, la sortie des Pyrénées. Oui, aujourd'hui c'est la dernière occasion pour les attaquants ou les sprinters avant les Champs-Élysées de s'illustrer, puisqu'il reste encore un grand rendez-vous demain, le contre-la-montre qui va décider des deux coureurs qui accompagneront Vincenzo Nibali sur le podium. La dernière chance aussi sans doute pour les coureurs belges de remporter cette première victoire d'étape qu'on attend. Oui, on n'en voit aucun capable de remporter le chrono et vraisemblablement sur les Champs-Élysées comme ce fut le cas quasi chaque année depuis 40 ans, eh bien ce sera encore un sprint massif dimanche. Donc c'est aujourd'hui en effet que pour les Belges encore en lice, c'est la dernière occasion de remporter une étape en effet. C'est toujours particulier pour les sprinteurs et leur train cette sortie de la montagne et cette première occasion de s'exprimer à nouveau. Oui, parce que tout le monde est fatigué. Beaucoup de coureurs sont vraiment au bord de l'épuisement ou de l'abandon, donc ils peuvent suivre certainement, mais quand il va falloir faire des efforts pour maintenir les échappées à portée de fusil, etc., ça va être très difficile. Les équipes ne sont plus complètes, les sprinters eux-mêmes parfois sont émoussés, donc disent qu'ils ne seront pas capables de gagner. Donc je pense sincèrement que les échappées, s'il y en a, ont une chance d'aller au bout.